Combien de kilos? 50? 100? Plus. 200? 300 kilos. 300 kilos? Eh ben. Mais dites donc si Dapès est à l'arrivée. L'organisation a tout prévu. Mais ça me fait peur quand on a tout prévu. Et l'or, où est-il? Ça n'est pas mon domaine. C'est un spécialiste qui s'en est occupé. Attendez. C'est un homme de goût, hein, Ferman. C'est pour une mission de confiance, réunir deux athlètes, une femme exquise, un type sympathique. Je ne sais pas qu'on forme un beau couple tous les deux. C'est pas que ça me prend le cœur de les quitter. Merci. Mais maintenant, on est seuls. Inséparables. Comme les deux. Vous êtes libre. Et les voitures, qu'est-ce que vous allez faire des morceaux? Je suis désolé, mais c'est une question de quelques heures pour la remonter. Et la capote? Vous la découpez pas? Des fois qu'elle soit en or élastique. Calmez-vous, c'est fini maintenant, ne criez pas. Non, mais je crie parce que j'ai une voix d'or. C'est le seul or que j'ai d'ailleurs. Non. Quand ça se fait qu'ils n'ont rien trouvé, c'est bien de l'or qu'on transporte. C'est bien de l'or. Ah, enfin, ils ont démonté toute la voiture. 300 kilos, ça se cache pas comme ça. Explique-moi. En Europe, le kilo d'or vaut un demi-million. Aux Indes, vaut plus que le double. Opération intéressante, non? Tant mieux, je m'en fous. Où est l'or? Je vais vous expliquer ça, mais avant, on va chercher un chambre d'hôtel. Bon. Avec salle de bain. Ask her. Now I go up there and I tell the man on the... Hip, vous n'avez pas vu une voiture blanche là, conduite par une dame? Oui, elle a dit qu'elle reviendrait dans un quart d'heure. Merci. Monsieur. Thank you.
D'où tu viens? Qu'est-ce que t'as fait à cette bagnole? Elle avance plus, on se traîne. On peut même plus passer les vitesses maintenant. C'est pas celle que j'avais tout à l'heure, ça. Non, David. Ils ont démonté une fausse bagnole, hein? Oui, David. Et tu viens de la changer contre la vraie. C'est fou ce que vous pouvez deviner vite. Chapeau. Ça, c'est de l'organisation. C'est l'organisation. Je me doutais bien d'un truc comme ça quand j'ai vu les autres crayons dans la cale. Il a suffi de changer les plaques, c'est ça? Exactement. Avec la complicité d'un mécano. Mais notre or, où il est? Partout. Dans les tubuleurs, dans les pare-chocs, dans les portières. On est dedans? Pour être dedans. Pour lui demander la route? La bonne route, oui. La bonne route, c'est celle que je prends. À partir de maintenant, c'est moi qui décide. Et qu'est-ce que vous avez décidé? J'ai décidé de garder la voiture. Ça ne va pas, David. Si, si, très bien. Je m'y suis fait, moi, cette voiture. D'ailleurs, elle est un peu à moi, elle est à mon nom. Je me doutais bien que ça finirait comme ça. Que ta tête serait trop faible pour résister. Ma tête n'a jamais aussi bien fonctionné. Je suppose que tu imagines que tu vas pouvoir la vendre. T'as mis dans le mille. Pauvre David. Tiens, ta valise. Je balayer en comme ça. Vous êtes revenu.